tout ça, JP, j'espère que tout très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur du Zelda Breath of the Wild. J'espère que l'épisode dernier vous a plu. Aujourd'hui, c'est quête secondaire et plusieurs épisodes d'ailleurs. Ça sera quête secondaire. Je préviens, peut-être demain, il y aura peut-être pas d'épisode. Simplement parce que en ce moment, c'est Tandax en termes de timing. D'ailleurs, l'épisode d'hier est sorti en retard, je m'excuse. Hein, mais je pense que. Vu la durée de l'épisode, je pense que ça peut s'expliquer. Mais la dernière fois, nous avons remarqué que lui avait une quête secondaire, le petit Telago. Donc, on y go. Oh, c'est vous, c'est moi, Telago. Nous nous sommes rencontrés du côté de la Zora. Merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'ici. Sa Majesté Dorefa vous a tout expliqué, n'est-ce pas? Il se trouve que Ruta a causé bien des dégradations au domaine Zora. C'est pourquoi Nelsis et moi, nous réparons le domaine et nous serons bientôt à court de matériaux. Des matériaux? Oui, pour effectuer les réparations, nous avons besoin d'une grande quantité de gemmes Nox. Dans la région, on en trouve beaucoup sur le plateau Zoran. Peut-être avez-vous déjà, par le plus grand des hasards, trouvé des gemmes Nox au cours de notre voyage. Quoi qu'il en soit, si nous avions 10, cela nous aiderait grandement. Collecte 2 gemmes Nox. Donc, nickel chrome. Alors, normalement, gemmes Nox. J'ai combien de gemmes Nox, moi? J'ai combien de gemmes Nox? Alors, c'est quoi des gemmes Nox déjà? Gemmes Nox, c'est quoi? C'est ça, gemmes. Non, c'est ça, c'est cristal de sel. Gemmes Nox. Ça me dit quelque chose, gemmes Nox. Mais. Ouais. Ça me dit quelque chose, mais non, 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 on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Bon, pas grave. On va continuer un peu. On va visiter, en tout cas, ce jeu est magnifique. L'éléphant. L'éléphant est là-bas. Hein. Baruta est là-bas. Après, voilà, on continue. Après, on ira. Oh, des flèches électriques. Bon, on récupère, hein. On va aller voir aussi cette fille. Mais bonjour, Link. Où en es-tu avec le Linel? Tiens, regarde. Merveilleux, voyons ça. Donc, Linel. Ouah! Pardon pour ce cri étrange. Je vais bien. Voici donc à quoi ressemble la Linel. Quelle vision d'horreur! Après en avoir vu même Zora, les plus téméraires devraient éviter le mont de la foudre. Je te remercie, je vais montrer cette image à tous les jeunes du domaine Zora. Je n'oublie pas ta récompense. Jambières Zora. On raconte que ces jambières Zora ont été conçues il y a fort longtemps par nos artisans sur ordre du roi de l'époque. Savais-tu que le lac du barrage de Lex est le fruit d'une collaboration entre les Éliens et les Zora. Une fois la construction du lac terminée, on a commencé à produire ces jambières pour les Éliens qui venaient ici. Mais au fil des années, des ans, les Éliens se firent de plus en plus rares et mon père dut fermer sa boutique de vêtements. Il restait un exemplaire de ces jambières dans sa remise, c'est celui que je viens de te donner. En les enfilant, les Éliens peuvent nager avec autant de grâce que nous autres Zora. Si je les gardais, ce serait du gâchis. Elles seront bien plus utiles à un Ilien comme toi. Prends-en soin. Ok, bah merci. On a donc terminé. Ouais, c'est terminé, voilà. Voilà, on a terminé le truc. Après, bah là-bas, y a rien. Peut-être que s'il y a peut-être quelque chose, en fait. On sait jamais, hein. Oh Link, tu es revenu, je t'attendais. Ces pilules si torrentielles ont cessé, j'ai encore peine à y croire, notre domaine est donc hors de danger. Il n'y a donc plus de risque que les terres d'Hyrule soient inondées. En apaisant la créature divine de l'eau, tu as sauvé le domaine Zora. À toi qui as dépassé toutes mes attentes, je tiens à exprimer du fond du cœur toute la gratitude de mon peuple. Link, je suis désolé d'avoir été aussi dur avec toi.
Pour toi aussi, son Altesse Mipha était un être cher. Tous les membres du Sénat te sont infiniment reconnaissants. Il semble que beaucoup de nous autres anciens nous soyons trompés au sujet des Iliens. J'ai conscience de l'impertinence d'une telle requête, mais je serais vraiment heureux si tu voulais nous pardonner. Link, je dois te récompenser comme il se doit. Prends-le contenu de ce coffre. C'est un souvenir de son Altesse Mipha, elle adorait s'en servir. J'aimerais te le confier en signe d'amitié, garde-le toujours précieusement avec toi. Mais dis-moi, Link, tu ne possèdes pas la lame purificatrice, dirait-on? L'aurais-tu égarée lorsque tu as perdu ta mémoire? La mémoire. La lame purificatrice? Tu l'as oubliée, elle aussi? C'est l'épée que seul toi, le chef des prodiges, peut manier. Je suis certain qu'elle doit attendre le retour de son maître quelque part en Hyrule. Link, au nom de tout le peuple Zora, je te remercie du fond du cœur pour ce que tu as fait pour nous. Et Sidon, tu as toi qui as combattu la créature divine aux côtés de Link, tu as fait de moi le plus fier des pères. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point tu étais devenu un brave guerrier. Le jour où tu me succéderas sur le trône, je sais que le peuple Zora héritera d'un monarque digne de le diriger. Père. Les pluies diluviennes ont cessé et la créature divine est à nouveau notre alliée. Tout est bien qui finit bien. Jaboubou. Link, c'est parfait. Link, merci infiniment, je te serai éternellement reconnaissant. Tu as sauvé notre domaine de la destruction. Voilà qui mérite le plus haut niveau de reconnaissance. Haha, tu es parfait. Donc Baruta, quête terminée. Donc, on va prendre le contenu de ce coffre. Lance d'écailles radieuses. Donc, c'est l'arme de Mipha, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, normalement, c'est tout. Normalement, c'est tout. Bon, à partir de maintenant, nous avons quelque chose à faire. Bah, tiens, il y a un coffre là, juste là. On va récupérer, hein. Bouclier Zora. Bon, on s'en fiche. On s'en fiche du bouclier, mais on va quand même marquer un peu. On va quand même marquer qu'il y a un bouclier juste là. On va marquer d'un petit coffre. Après, bah, c'est tout, hein. Oh, t'as quelque chose pour moi, toi. Il paraît que Ruta s'est calmée et pourtant. Ah, c'est toi, Link. Excuse-moi, je pensais à voix haute. Un problème? Eh bien, c'est ma femme, Majori. Elle est partie seule et elle n'est toujours pas rentrée. Alors que Varuta venait de se réveiller, elle allait percher comme à son habitude. Et bien que la créature divine soit à nouveau calme, elle n'est toujours pas de retour. Je commence à craindre le pire, si seulement je l'avais retenue. Misère, je vais la chercher. Link, d'abord tu sauves le domaine, Zora, et maintenant tu me proposes d'aller chercher Majori. Tu es vraiment digne d'être un prodige. Je m'en veux de faire appel à toi, mais je t'en supplie, ramène-la à la maison. Cœur à la dérive. Ok, nickel chrome. Par contre, toi, t'avais une petite quête pour moi, l'enfant, là, non? Non, t'avais une panne quête pour moi? Non, non, bah non. J'avais pas de quête. Peut-être que c'est avec Majori, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Alors, Prince Sidon, non, tu n'as rien pour moi. Après, il n'y a rien. Bon, en tout cas, on a plusieurs choses à faire. On a déjà à aller à la tour qui est à peu près par là, je crois. Ah oui, qui est par là. On a à faire un petit mince, je me rappelle plus ce que c'est. Un souvenir, voilà. Et on va commencer par ça. Un petit souvenir qui est assez simple à trouver, je pense. Et ça me permettra aussi de tester une technique qu'un ami m'a dit sur les gardiens.
Donc on va y aller. Donc là, c'est épisode secondaire. Pendant au moins 5 épisodes, je pense qu'on va faire des épisodes secondaires. Parce que c'est assez. Le jeu est très long et. Et là, vu qu'on a très 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 bien avancé dans la quête principale, on va faire des quêtes secondaires, on va visiter un petit peu tout. Voilà, donc. On va visiter tout. D'ailleurs, j'ai fait un truc que j'ai oublié de faire. Appareil photo. Autoportrait. Espadon de chevalier. Sauvegarder. Espadon de chevalier. On va en même temps prendre l'épée, celle-là. Équipée juste pour le portrait. Voilà. Lance d'écaille radieuse. Voilà. Et dès qu'on a d'autres trucs, on fera ça. D'ailleurs, est-ce que ça j'ai pris? Ouais, ça j'ai pris. Ça j'ai pris. Non, ça j'ai pas pris. Ça je n'ai pas pris. D'ailleurs, c'est arc de chevalier en fait. Pas pourquoi le truc il avait arc de chevalier. Bonjour. D'accord. Alors, attendez. Je galère un peu. Bouclier de chevalier. Bah oui, on va prendre bouclier de chevalier. Et voilà. Bouclier de chevalier. Bon, voilà, on va pas faire tout non plus. Faut pas déconner. Normalement, ça, j'ai pas pris. Du coup, on va prendre. D'ailleurs, où est le truc? On va juste jeter et prendre en photo. J'arrive pas à le prendre comme ça. Boomerang les ailes, voilà. Boomerang les ailes. Hop, on récupère. Et on va se rééquiper de cette petite Espezora. D'ailleurs, est-ce que l'Espezora, je l'ai prise. L'Espezora. Je suis pas sûr que je l'ai prise. Hein. Du coup, si je suis pas sûr, on va jeter. Et si je l'ai prise. Si je l'ai prise. Bon, le souvenir que je veux aller, c'est tout simplement. Non, c'est pas ça que je veux faire. Effacer. C'est. Attends, c'est quoi là? Ah oui, le souvenir. C'est le souvenir que je veux. Module dans carte, album. Le souvenir, c'est celui-là que je veux. Que je veux aller. Je pense que beaucoup ont deviné, c'est celui-là. Donc, on ne devrait pas être super loin. Parce que le domaine Zora, il est. Enfin, le domaine. Le château est là-bas. Il devrait pas être super loin. Du coup, on y go. On y go, après peut-être qu'en cours de route, on va voir d'autres petites personnes. Mais bon. Voilà. En tout cas, on va prendre cette route. Ruine de l'état du seuil. Plutôt cool. Là, c'est direction petit souvenir. Et bon, ça, vous deux, on s'en fiche. Est-ce que je les ai pris? Non. Oui, je les ai pris. Je veux que vous vous barrez. C'est dit, c'est fait, c'est clair et net. Je ne vous veux pas. Parce que c'est comme ça, hein. C'est quoi ça? Wow, les chauves-souris. Ils m'ont fait peur, ces chauves-souris à la con, là. C'est quoi ça, bouclier rouillé? Je veux prendre le bouclier. Rien à foutre, je me fais défoncer par les chauves-souris.
Mais je veux prendre ce truc. C'est quoi ça? Espadon rouillé, on prend. Voilà, c'est fait. D'ailleurs, il doit bien avoir un Korogu, non, même pas. Il n'y a même pas de Korogu ici. Même pas de coffre, rien du tout. C'est la givre ici. Non, il n'y a rien. Rien du tout. Rien du tout. Par contre, là-bas, il doit y avoir un truc. Tous les coups, là-bas, il y a un truc. Wow. C'est un monstre. Ça ne va pas. On se casse d'ici. Bon, au moins, on a tenté. Est-ce que j'ai pris les lucioles? C'est possible de prendre des lucioles. Bon, je sais pas si c'est possible de prendre des lucioles. Mais voilà, c'est comme ça. Par contre, c'est quoi gland? D'accord, gland. J'ai pris un gland. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Petite noix Korogu. Bon, ça c'était très 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 clair. D'ailleurs, il y en a aussi un dans la vallée du domaine Zora. De ça. Par contre, les chauves-souris, là, ils commencent vraiment à me casser les couilles. Hein. Comment on fait pour les brûler? J'en sais rien du tout. Ça, c'est assez relou. Oh! Voilà le souvenir là-bas. On peut voir qu'il y a un souvenir là-bas. Ça veut dire qu'il y a un souvenir, je crois. Je crois, ça veut dire qu'il y a un souvenir là-bas. Du coup, on va aller là-bas. Par contre, je vois pas le délire en fait de éléphant x 1. Ça veut dire qu'on peut rebattre le boss? Ou alors ça concédait à les créatures en fait. Peut-être. Ou alors je délire totalement. Totalement. Bon, en tout cas, on peut voir qu'il y a un truc là-bas. Je sais pas du tout si c'est le souvenir, mais il y a un truc. Il y a un faisceau. Il y a un faisceau. D'ailleurs, la tour est juste là. Hein. On va y aller après. On va y aller. Enfin, là, le vaisseau est juste là. Le gardien, il est juste là aussi. Hein. C'est genre, là, on est bien. Par contre, en parlant de gardien, on va remettre ce bouclier. Parce que c'est pas qu'on a un bouclier qu'à 40, mais pour l'instant, on n'en a qu'un. Voilà. Et il faut éviter d'user tous les boucliers. Du coup, bah voilà, on va éviter de tout user. Je crois bien que c'est le souvenir là-bas. Ou alors c'est une météorite. Quelquefois, j'ai lu qu'apparemment c'est des météorites. Mais je sais pas du tout si c'est une fusée aussi. Ça peut être une fusée, hein. Parce que là, en fait, ça pas du tout l'endroit de. Ça pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. L'endroit du souvenir. Hein. Parce que l'endroit du souvenir. C'était ça. Mince. Revenons. L'endroit du souvenir, c'était ça. Et ça n'a pas du tout l'endroit du souvenir. Hein. À moins que c'est vraiment le souvenir. Hein.
Fais juste gaffe au gardien qui est juste là. Attends, le truc a disparu, le faisceau. Le faisceau a disparu. Comment se fait-ce? Oh là, t'es qui toi? Ok, d'accord. T'as un sanglier là-bas, d'accord. Ah, c'est là, d'accord, j'ai pigé. J'ai pigé. Le souvenir est ici. Le souvenir est ici. Et hop, on y go. Souvenir. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. L'âme de pureté, venue de Ben, c'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Dans sa quête du pouvoir d'or, quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. En ce jour et pour elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc voilà, on a eu le petit souvenir, un très 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 beau petit souvenir. On va tester la technique sur le gardien. Apparemment, cette technique consisterait à faire en deux fois. Oula, 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 attends, c'est pas ça du tout que je veux faire. Bouclier, bouclier, je veux le bouclier. Le bouclier. Je veux que le bouclier, voilà. C'est le bouclier que je veux faire. Oh, c'est bon. Ah ouais. Ah ouais, j'adore quand j'ai pigé. C'est super simple en fait. Oups, mon bouclier s'est pété. Par contre, on y est, on laisse des boucliers. Par contre, ça c'est un peu plus grave. Hein. Par contre, carte module. Ça coche. On y est des boucliers, c'est le seul petit désavantage. Oh putain. Bon, au moins on aura testé la technique de Mipha, hein. Attends, j'ai encore laissé un bouclier là. Hop, équipé. Testons, testons, testons. Encore 200. Encore 200. J'ai plus de bouclier. J'ai plus de bouclier. Comment ça se fait? J'ai plus de bouclier. J'ai plus de bouclier. Comment ça? J'ai plus de bouclier. Bordel. Comment ça se fait? Bah on va prendre ce bouclier là du coup. Hop.
Voilà. Bon, vas-y. En tout cas, on a fait notre premier gardien, c'est déjà pas mal. Donc en fait, c'est assez simple, hein. C'est assez simple, très simple. Par contre, c'est la masse de choses, par contre. C'est vis antique, ressort antique. C'est pas mal, hein, quand même. Par contre, on y a laissé beaucoup de boucliers. Hein. Moi, je dis, c'est bien, mais on en laisse des boucliers. Hein. Franchement, trois coups, ça veut dire que... Voilà, là, j'ai mal joué, mais ça veut dire, en fait, qu'un bouclier à 20 de résistance, t'en perds 2. T'en perds 1 à 2. T'en perds 1 à 2, ouais. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. En tout cas, nous, on va partir en direction de la tour. En direction de la petite tour. Donc. Là, vous avez pu voir que mon pouvoir est en train de se régénérer. Donc, on peut bel et bien mourir. Hein. On peut mourir. Hein. Parce que j'avais compris genre qu'on pouvait mourir à l'infini. Donc, en fait, on va donc jamais vraiment mourir. Hein. Mais non, là, le mec m'a rassuré quand même. Mais par contre, je sais pas du tout combien ça met de temps pour recharger complètement. Peut-être que ça met 10 minutes. Peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, bientôt là. On y est bientôt. Alors, je te prends en photo. Je t'ai déjà pris. On va aller en haut. Enfin, je pense qu'on va aller en haut. Je vais essayer d'aller en haut. Au moins de découvrir cette zone. Parce que là, il n'y a aucun danger, on est d'accord. Il n'y a aucun danger. Si, il y a un danger là. Il y a un gros danger. Gros danger. Ouais, il y avait danger. Faut pas déconner, il y avait un. Oula. C'est chaud quand même, c'est chaud. Moi je dis que c'est chaud pour aller en haut. C'est chaud. Bon, vu que c'est chaud, on va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois. J'espère que l'épisode vous a plu. On y a laissé des boucliers. Donc, il va falloir aller en quête de boucliers. Et on se retrouve pour l'épisode 22 pour la suite. Allez, bye bye.